a promis mont et merveille avant de prendre le pouvoir, les rênes de ce pays. Mais depuis qu'il est venu, vraiment, toutes les choses vont de travers. Donc, on demande au chef de l'État d'être un peu à l'écoute de sa population, d'être un peu attentif à l'écoute à l'égard de sa population. Cette population-là le soutient à fond. Mais cette population-là, aujourd'hui, n'arrête pas d'être martyrisée, n'arrête pas d'être vilipendée par la faute de ses administrés que lui-même il nomme. On ne sait pas si c'est fait de connivence ou non, mais vivement que le président se décide. Et puis, on demande aussi à la RTI, cette RTI-là, à qui nous payons des redevances, des manifestations, il doit couvrir. Arrêtez les discours partisans. Arrêtez les reportages partisans. Parce que ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Si vous êtes journaliste, c'est pour la Côte d'Ivoire dans sa totalité, dans sa globalité. Donc, après, ne faites pas de... Après Adja, et Danga, les gens Trècheville, Adjamé. Et aujourd'hui, c'est un mouvement de protestation, un sitting. Après ça, quel est le message véritable qu'on voudrait lancer? Mais le message véritable, c'est quoi? Nous allons nous battre jusqu'à ce qu'on puisse conserver nos biens. La CICOJ n'est pas propriétaire de ces habitats-là. Que la CICOJ aujourd'hui dit la vérité. Le président Alassane Ouattara dit qu'il est un homme de vérité, c'est un homme de parole, mais vivement qu'il interpelle la CICOJ afin que les responsabilités soient dégagées. Hein? Ça ne sert à rien de toujours être en train d'appeler les forces de l'ordre pour pouvoir nous martyriser. Si nous l'avions dit, on ne l'aurait pas voté. Mais les échéances de 2020 arrivent. C'est là où il va faire le bilan de la gabegie qu'il aura fait. Mais on suppose que ce n'est pas trop tard. Monsieur le Président, ressaisissez-vous. Ok, bien. Hey, envoie les documents. Oui. C'est la supercherie qu'il y avait au sein de la CICOJ. Parce qu'aujourd'hui, Boaké Fofana, en tant que directeur général de la CICOJ, se permet d'être responsable de tous les services. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous avons un problème avec le service technique, Boaké Fofana appose sa signature. Si nous avons un problème avec le service juridique, Boaké Fofana appose sa signature. Si aujourd'hui, dans la même société, on a un problème avec le service contentieux, Boaké Fofana appose sa signature. Donc, comprenez que c'est une société qui existe comme ça de façade. Sinon, c'est du leurre. Voilà, je détiens là même un document où un de ses conseillers, un certain Ahmed Aïdara, qui est conseiller du directeur général, qui se permet de signer en PI, voyez, par intérim. Est-ce qu'un conseiller peut prendre les décisions à la place du DG? En dessous du DG, il y a quand même le directeur. Et puis il y a le DGA, ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à revoir. C'est une société qui est venue voler. Cette société est venue s'accaparer de nos biens. Donc ici, la CICOJ n'existe que de nom. C'est une société de façade. Je ne sais pas quelle main occulte qui est derrière cette société. Mais voilà ici un document. Hein, où déjà, on dit un certain Ahmed Aïdara, qui est l'intérimaire de Fofana, ici, qui dit qu'il doit démolir les maisons le 8 décembre. Donc vous voyez, ça, c'est une grosse décision qui devait quand même avec assez de munitions. Quand on arrête de nous envoyer des plaisantins pour venir troubler notre sommeil, nous sommes fatigués. Voilà. Donc pour l'instant, c'était ma part. On va aller vers les autorités qui sont arrivées. On va aller vers. Allons.
c'est quoi on dit le cas s'asseoir. Nous sommes responsables du contrat. On est trop motivés. Nous sommes responsables du contrat. On est trop motivés. Nous sommes responsables du contrat. Tu veux nous un logement?
Est-ce que certains ne savent pas? Ce n'est pas la psychologie qui a construit sa maison. Les maisons construites par la psychologie, on les appelle quartier psychologie. Ça, on appelle ça là. J'en ai fini. Merci. Mais au chargeur, il finit dans ma masse, le dit.